fier. Gagnons les potes, non, là. Gagnons. Par contre, on peut constater, tu vois que sur un vieux vélo, on n'a pas du tout la même posture que sur des vélos modernes. Ah non, hein. On est beaucoup plus haut. Là, ici, on est devant un vélo Peugeot avec le fameux guidon moustache. Donc, tout à l'heure, je vais rouler avec, justement, participer à la Cyclo Vintage. Ce vélo qui est derrière toi ? Alors, celui qui est derrière moi, c'est un Française Diamant. Alors, celui-ci, pour la petite histoire, il faut savoir que la Française Diamant, le premier vainqueur du Tour de France, qui est Maurice Garin en 1903, courait sur un vélo de la Française. Le diamant, c'était tout ce qui était fabriqué. Vous êtes sur le petit pignon. Super ! Vous pédalez en arrière. Vous êtes sur le grand pignon. Comme on dit, vous montez les côtes en pédalant en arrière. Ce qu'on appelle le rétro-pédalage. Le rétro-direct. Le rétro-pédalage, c'est le frein. Ces vélos-là, on les appelait aussi les vélos de curé. Parce que justement, les curés montaient dessus. C'est pour ça qu'on retrouve des petits œillets dans les garde-boue pour mettre des filets pour les robes des dames ou les soutanes des curés. Dans les films des années 20-30, c'est des vélos qu'on voit caractéristiquement. Après, il y a des cols de cygne. Là, j'en ai pas amené. Là, ici, on est sur un Clément Paris. Celui-ci, c'est pareil, c'est un vélo qui date de 1890. Ça, c'est des pièces très rares. Ça, ce sont des pièces très, très, très rares. Ma passion, en fait, tout simplement depuis que je suis tout petit, tu sais, j'ai toujours eu un vélo entre les mains. Donc, après, quand j'ai grandi, en vieillissant, j'ai traversé la France en long, en large et en travers. J'ai fait une petite coupure, entre guillemets, pour me mettre à la course à pied. Et après, à travers cette passion du vélo, je me suis mis à collectionner des vélos. Et voilà. J'ai un petit vélo à la tête, on va dire. Le vélo que je suis attaché. Bien sûr, il n'est pas ici. C'est un vélo qui a appartenu au maréchal Ferrand de mon village, qui est un vélo classique comme le vélo qui est juste à côté. Mais celui-là, qui est aujourd'hui mais cher quand même, c'est le Michaud qui est ici. Michaud, c'est quand même l'ancêtre, c'est l'inventeur des pédales.
Et ce vélo date entre 1861 et 1868. C'est une Drésienne, baron Drésien, tu me dis, tu m'arrêtes sur le début. Les Drésiennes, ça existait depuis Louis XIV, et ça a été longtemps. Et puis après, les frères Michaud ont eu l'idée, les frères Michaud, de mettre des pédales sur un Drésien. Et ce qui fait que c'est là qu'on a découvert la bicyclette. Voilà. C'est Damien Mangeas qui vous appelle. On ne va plus réunir tous ces anciens champions qui nous ont fait rêver. Thierry, Bruno, bien sûr, Guélor, Marceau et toutes les personnes ici présentes. Merci à tous les participants, qu'ils soient randonneurs, qu'ils aient participé au petit parcours de 12 km, au 25 ou au 42 km. Bon, je crois que ça a été surtout un plaisir de se retrouver. De faire un coup de vélo entre amis. Et bon, moi, ça fait particulièrement plaisir parce qu'il y a plein de copains avec lesquels j'ai couru, donc c'est vraiment sympa. L'initiative de la mairie de Bosguerre. Je vous remercie pour votre participation. Ça fait chaud au cœur de refaire un petit peu de festivités sur la commune parce que... Il y avait longtemps, oui, tout à fait. Et puis, c'est un plaisir de recevoir le club de la Feuille. Merci à vous. Merci à tout le monde d'être venu à cette Vintage 2022 organisée par Christian Vandis et toute son équipe et la commune de Bosguerard avec la participation du club. Moi je remercie tout le monde à tous les niveaux que vous êtes, petits coureurs, grands coureurs, amateurs ou voilà, passionnés de vélo ou pas, de venir découvrir ce sport. Et la randonnée pédestre, c'était vraiment un bon moment. Merci aussi le monsieur qui est là parce qu'il fait des belles choses. Parce que moi, j'ai lu ces petits bouquins et les palmarès que je ne connaissais pas du tout de certains coureurs. Bravo. Et je pense qu'il faut aller acheter. Hein, il faut vraiment acheter parce que c'est vraiment un truc super. Et c'est l'histoire de la Normandie du vélo. Merci. On peut l'applaudir. Après, où je suis vraiment très fier, c'est Christian, là, c'est grâce à lui que ça existe, hein, la vintage. Moi, j'ai rien fait, c'est Christian qui fait tout de A à Z. Et il m'a dit, Manu, est-ce que tu m'accompagnes? J'ai dit oui, parce qu'il est fidèle avec le... Il ne dit pas la famille cycliste, il dit la famille Cumont. Donc, voilà. Applaudis un peu. C'était mon coéquipier chez le team Péan. Et des belles années, après il a fait une superbe carrière et j'aurais aimé faire la même, mais il m'a remplacé quelque part parce que je suis fier de lui. J'ai pas fait ce qu'il a fait, mais quelque part je suis comme lui dans ma tête. Voilà Bruno ce que je voulais dire. Toi qui ne connais pas Marceau Pilon? Le Marceau Pilon. Non mais c'est quelqu'un que là qu'on détestait, qu'on aimait. Mais quand ils te connaissent, ce mec-là, c'est un amour de la vie. Voilà, c'est un amour de la vie et un amour du vélo. On peut l'applaudir, mon petit Marceau. Allô? C'est Thierry, Marie. Ah, salut, mon ami Thierry, comment vas-tu? Je suis content de t'entendre. Oui, Cyril. Est-ce que tu peux me dire, tu es né à... Je suis né le 20 janvier 1947. J'ai gagné le maillot jaune plusieurs fois. Vous connaissez, hein, peut-être? Elle me connaît. Oh, vraiment, je faut me prendre le micro. Donc voilà, j'arrête les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. C'est Damien Mangeas qui vous appelle. Je vous demande de vous applaudir, vous-même. Jean-Pierre Lacoff, regardez-le, qui n'en finit pas de nous époustoufler sur les routes normandes, puisqu'il a fait 3 livres, regardez. Et il y a une pensée pour le vintage, je dirais, Claude Péan. Claude Péan qui a fait énormément pour le cyclisme, parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Merci Claude. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Thierry Marie. Écoute,
écoutez, encore merci à tous, et puis bah, surtout, on vous dit à l'année prochaine. Je pense que si vous avez aimé, il ne faut pas hésiter, on essaiera de faire encore mieux, hein, et puis d'avoir le même temps surtout. Alors là, on va devoir, je crois, prier beaucoup, parce que bon, ce sont quand même des conditions climatiques exceptionnelles, d'autant que les deux premières éditions ont été particulièrement bien arrosées. Donc voilà. Donc on va rappeler, mais Bruno, il n'a pas tort, que je rappelle la date. 6 mai 2023, samedi 6 mai 2023. Donc on compte sur vous.